Greetings, Hong, Omar, Tatiana, and Naeem. Greetings from Kiev. Welcome. Hope everything goes okay. Hi, John. How are you? Hey, who is this? I am Omar. I am Omar Wahedi, neurosurgeon from Libya. Oh, welcome. Thank you. Oh, you're from Ukraine also? No, I'm from Libya. Oh, welcome, welcome. So we're going to have a Libya grand round. Yeah. Hope what so. What do you think? Yeah, we hope so. Well, the only thing that's stopping us is a little ambition. Well, the ambition is here. I'll show you how to do it and everything. Okay, thank you. You just need a case to present. That's all. Just like in a conference in a hospital, except you're at your computer. Do you know what I mean? Yes. Hello. Yeah. Greetings, Omar. And thanks. Greeting. How are you? Yeah, let me introduce you to someone else here. Ariel, are you there? Yes. Good morning, doctor. Good morning, everyone. Good morning. You got your camera on there? Yes, please give me a minute. Okay. See, Omar, the way we started is that, hey, Margarita, how are you? Welcome. Good morning, doctor. Good morning. Okay, well, I'm just explaining to Omar how we create a channel. All it takes is one presentation, can be 15, 20 minutes, whatever. And we call it Libya Grand Rounds. I mean, it's as simple as that. Okay, I will be very honored to do that. And I will discuss it with my colleagues, my seniors. Yeah. Just make it simple. Just one presentation. Okay, thank you. You start it off to see how it goes and get a feel for it. And then once you're ready to do it, like maybe twice a month or something like that. Okay. Not too overwhelming. I started at once a week. That was too much. But once every 2 weeks, I think, is okay. Okay, great. But, I got your email. Do I have your email, Omar? Yes, you have my email. You send me the emails regularly. You're on the mailing list. Yes. Oh, okay. And I attend almost all of the webinars I attended already. Okay. And I try to be here and do as much as I can. Okay, let me give you my email address and you just let me know what is going on, okay? I'm going to put that once you find out stuff. Hey, Margarita, welcome. Hi, good morning, doctor. Good morning. How are you? Good, how are you doing? Hey, there's my email, Omar. You got it there? Yeah, I got it. You know, Thank you. Just email me, say, okay, Dr. Bennett, we're making progress and we're ready to go, whatever. Okay. So, Margarita, how you been? ¿Cómo has estado? Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Y usted? Bien. ¿Si tú hablas francés? ¿Francés? No. Yo no sé, yo no hablo francés también, pero... pero Ariel, tú conoces a Margarita, ¿verdad? Por supuesto, desde las rondas de España. ¿Cómo está, doctora Margarita? Buen día. ¿Recuerdas? Hola, buenos días. Bien. Margarita. Su cámara, Ariel.
Sí, un momentito, por favor. Estoy arreglando unas. A little minute, please. I'm fixing something. Sí, es un canal de video. Yep, I'm fixing that. Okay. Hello, Tatiana Orlova. Tatiana Orlova. From the Ukraine. Wow, it's in the middle of everything now. Yes, I am here. Hello, everybody who is listening to me. Oh, welcome. Welcome, Tatiana. Tatiana. Is everything yes, safe? Yes, we there? Have a bad connection. Is everything okay there in Kiev? Not so good situation now, but I am with you. I am listening to you and I see you. I hope you're safe. Yes, thank you very much. Okay, welcome. Isn't that exciting, Ariel? We have someone here from Kiev, Ukraine. Doctor? We have someone here from Kiev in the Ukraine. Who, Dr. Tatiana? Tatiana, yeah, Tatiana. Yes, Tatiana. Good morning, doctor. Now we have evening. Good evening. Oh, good evening, doctor. Evening, yes, yes. До свидания. I am staying in a children's hospital now. Well, I hope you are good, and I hope all these problems get fixed in some yes. time. Yes, unfortunately, we have a bad situation now in Kiev in Ukraine. And how the things are going on Ukraine by this day? Yesterday, I think it was very very awful. But how are you now? Hey, Maria, your camera's still not on. Okay, there you go. Okay, Ariel, I'm going to take a little run here, so handle things, okay? Okay, doctor. And you know how to punch people in. Yep, don't worry. Oh, the co-host, yeah, I didn't go to that.
Salut, docteur Saïd. Oui, bonjour. Comment tu vas, Abel? Bonjour, docteur. Tout va bien à vous? Ça va très bien, ça va très bien. Ok. Espérer. Oh, docteur Morcos est là. Oh, super. Laisse-moi remover. Dr. Morcos, I'm sending to you the... Okay, yes. He will be now a panelist. Okay, thank you. Hey, good evening. Vous pouvez m'entendre? Oui, très bien. Bonjour, professeur Morcos. Bonjour, Saïd. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est un grand plaisir d'avoir avec nous ce soir. Vraiment, c'est un grand honneur. Donc, depuis le temps qu'on rêvait de cette rencontre. Voilà, avec plaisir. Donc, c'était très gentil de votre part donc, d'avoir accepté avec plaisir d'être avec nous. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Vous venez à Bogota ou bien non pour le World Congress? Non, malheureusement, non. Peut-être Uriel, un de mes protégés que je coach pour. Il est de Pérou, donc c'est un étudiant en médecine donc, qui est très intéressant. Et qui, il rêve de neurochirurgie, il a créé la société des étudiants de neurochirurgie du Pérou. Oui. Il est très actif, il est au laboratoire tout le temps. Donc voilà, j'espère qu'un jour il sera un grand neurochirurgien. Donc il va s'inspirer de vous, comme tant d'autres qui sont là. Donc j'espère qu'ils seront là. C'est comme je l'ai dit sur un petit message que j'ai envoyé à tout le monde, que peut-être pas tous les gens vont faire le bypass. Mais c'est surtout la philosophie, donc la façon de penser, donc tout ça, donc c'est très important. Oui. La façon analytique qu'en analytique. Fait, la culture française est beaucoup mieux à exercer que les Américains, en fait, la façon de penser, vous savez. Oui, tout à fait, oui. Dr. Morcos, How are you, John? I am sure your French is pretty useless, isn't it? Wow, I didn't know you spoke French. I asked him. Yes. That's great. Okay. You met Uriel, right? Jacques, Uriel is a student. He's translating. He's running the show. Yeah, good morning, Dr. Morcos. It's an honor to be here with you. You are a great inspiration for me. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Uriel is in Peru, right, Uriel? Yes, I'm a student in Peru, fifth year medical school here in Cusco, or Peru, near to Machu Picchu. Yeah. Beautiful. Yeah, I'm going to speak in English, correct? Because I assume everybody speaks French. So. Oh, okay. No. Can we make it French, Dr. Morcos? Could you make it French? I will try. I don't know all the technical words. That's okay. Please do it because it's aimed at the French population. that's what we'd like to do. Wow. That. No, but you know, the only problem is I know there are people like in the US who are going to be connecting, so they may not understand. Oh yeah, we have lots of English channels, but we only have one French one. So I'd like to aim it towards the French population. Jacques, if you don't mind, if you prefer English, we'll go ahead with English. Saïd, what would you like me to do? I can try French, but sérieusement, il faut que tu sois à l'aise. Donc c'est pas, on n'a pas envie d'imposer quoi que ce soit. Bon, je vais mélanger les deux, si ça va. Donc c'est très gentil de. Okay, what are we gonna do, Saïd? So I'll try to stick to English and I'll mix in French now and again. Okay. Good day, Adrian. How are you doing, Adrian? Hi, hello. Hi, how are you? Jacques, je suis un peu gêné. Hein? No, but you too. D'accord. Okay, Adrian, comment tu vas? You're right, Saïd. Docteur, excuse-moi. Jacques, yeah. Donc, je vais juste faire une petite introduction. Me présenter un peu de là où je suis, la Réunion et tout, et je te présente. J'ai,
Donc, je, comme j'ai dit, j'ai l'habitude de faire des présentations, mais pour votre cas, c'est la présentation, c'est vous qui la faites. Il y a des vidéos qui sont exceptionnelles donc, de votre parcours donc, que je vais mettre en ligne qui sont très intéressantes parce que c'est très riche, c'est passionnant, c'est un voyage qu'on fait à votre Comme tu es gentil, merci beaucoup. Donc, c'est avec plaisir. John. All set? Yeah, yes, I. Yes, we start. Yeah, okay. 10. Hold on. 10. Hold on. Docteur Adrien est avec la main levée. Docteur Adrien? Oui, Adrien. C'est une erreur, j'ai baissé la main. Ah oui, d'accord. Okay, Ariel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Nous partageons avec vous une autre édition de la chaîne d'éducation en neurochirurgie neurosurgical.tv. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir présenter les plus élèves séries de lectures francophones French Neurosurgical Grand Rounds. Je suis Suriel Tarlevega de l'équipe des étudiants de neurosurgical.tv et aussi président de la Société péruvienne des étudiants en neurochirurgie en neurosciences. Sans plus tarder, maintenant, je vous présente notre ami le docteur Saïta, le responsable du French Webby, French Neurosurgical Grand Rounds. À vous, docteur Taha. Merci beaucoup, Uriel. Bienvenue, professeur Jacques Monros. C'est un grand honneur, comme je l'ai précisé tout à l'heure, d'être avec nous. Donc m'a reçu, accepté avec un grand plaisir d'être avec nous. Un plaisir est partagé. Je vais faire une petite partage d'écran. Do you see my screen? No? Not yet. No, not pas yet. Encore, docteur. OK. And now? Oui, docteur. Maintenant, oui. Yes. OK. You want me to make the full screen? Yeah. OK. Just a minute, sir. Presentation log. Yeah. Bon, je me présente, Jacques, je me présente, je suis neurochirurgien à l'île de la Réunion. Mon cursus a été fait en France, globalement à Paris, surtout Marseille et donc Montpellier. Je suis à la Réunion depuis maintenant 26 ans. Ancien chef de service, ancien chef de département des neurosciences à l'université, centre hospitalier de l'île de la Réunion. Et je vous montre un petit peu notre île. Alors, si vous savez. OK. Voilà. Ça, c'est notre équipe de neurochirurgie, c'est des jeunes. C'est une équipe qui est très dynamique avec le docteur Philippe Frépel, Sébastien Frépel, qui est actuellement chef de service, et Guillaume Lemestre, qui est un jeune neurochirurgien qui s'intéresse beaucoup à la chirurgie de la base, le docteur Do, qui fait de la chirurgie également générale, mais à orientation aussi rachis, le docteur Thibault, qui est notre fellow, donc c'est assistant qui va rester avec nous, et notre très cher Paloma Compès, qui est neurochirurgienne, orientation rachis. Donc, je suis très heureux d'être avec eux, je les remercie vivement. Et voilà, donc ça, c'est notre hôpital qui est au bord de la mer. La situation de notre île, on est situé ici, au milieu de l'océan Indien, à côté de l'île Maurice, et en face de Madagascar. Notre activité est variée parce qu'on est obligé de faire, comme toute île lointaine, de faire toute la pathologie. Et on est surtout alimenté par tous les patients qui viennent de Mayotte. Mayotte fait partie normalement de l'archipel des Comores, mais qui a demandé de rester française.
Donc, il y a beaucoup de gens, donc des Comores qui viennent en situation irrégulière avec des tableaux historiques jusqu'à maintenant. On a également des patients qui viennent de Madagascar, parfois de Maurice. Les Seychelles, on avait à une époque beaucoup de patients qui venaient, mais je pense, du point de, par rapport au coût, ils préfèrent partir parce qu'ils font partie du Commonwealth, donc c'est logique qu'ils partent ailleurs. Voilà notre île, c'est une très belle île que j'adore, elle est magnifique, elle est très très variée, c'est une île où il y a des plages, mais c'est l'intérieur qui est passionnant. Elle est située à environ 11 heures de vol de Paris, elle est, les habitants, il y a toutes les religions, c'est multiculturel, multiculturel, et les populations vivent en paix. C'est un modèle d'intégration et de, j'ai oublié, mais voilà, avec il y a de très belles régions à visiter. J'espère que vous aurez l'occasion de venir. On a également notre Python de la Fournaise qui nous fait des spectacles donc tout le temps parce que c'est pas un volcan dangereux. Il est de type B, il explose 3-4 fois par an. Donc, et ça, c'est des maisons créoles typiques de la Réunion, très jolies. Mais l'inconvénient majeur, c'est les embouteillages. Oui. De la Réunion, comme toutes les îles. Mais la visite de cette île vaut largement la peine, surtout si on l'associe aussi à l'île Maurice. Donc, bienvenue, professeur Morcos, à notre webinaire. Je vais faire un. D'habitude, je fais, comme j'ai dit, des résumés, mais votre cas me pose problème. J'aurais aimé que vous parliez de vous-même, mais j'espère que ça sera une autre fois, parce que ce que votre façon de raconter de votre parcours et l'aboutissement à quoi vous êtes arrivé, c'est un modèle pour tous les jeunes neurochirurgiens. Le docteur Jacques Morcos est, comme je l'ai dit, est professeur de neurochirurgie au département de neurochirurgie neurologique et d'otorhinolaryngologie de l'Université de Miami. Il dirige le service de chirurgie de la base et la chirurgie endoscopique et chirurgie cérébrovasculaire. Il est directeur du laboratoire de dissection anatomique et microchirurgicale, qui est un excellent laboratoire, je l'ai vu en vidéo. Il est exceptionnel. Il est diplômé de médecine à l'Université américaine de Beyrouth en 1985. Il a fait sa formation au départ à Londres, à l'Hôpital national de neurologie et de neurochirurgie de Queen Square et Maida Valley à Londres, en Angleterre, de 1986 à 1989. Il est Fellow of the Royal College of the Surgeon Qualification. Il a fait son résidana au service de professeur Eros à l'Université de Minnesota. Et il a fait également fellowship à l'Université de Floride chez Uppday, Cardiovascular Surgery, Barrow Neurological Institute, Cranio-Vasculaire et Chirurgie de la base. Il a rejoint le département de neurochirurgie de Miami au département de neurologie de l'Université de Miami. Il est spécialisé dans les tumeurs cérébrales, tumeurs de la base, mais également il pratique la radiochirurgie. Son point d'intérêt, surtout la chirurgie des anévrismes cérébraux et le moya-moya. J'espère qu'on va passer rapidement. Il y a un problème de diapositive. Ça traîne un peu. Si tu mets le mouse sur la... Non, le click, left click, non? Left, c'est ce que je fais. Mais, excuse-moi. Voilà. Il a reçu de nombreux prix et distinctions
international. Il est ancien président de North American Square Base Surgery, membre de la WFNS, éditeur de revues Journal of Neurosurgery, Neurosurgery, World Neurosurgery, Journal of Neurological Surgery, Arts Based Square Base. Il a une activité académique très riche et universitaire, et en 2021, on dénombre près plus de 700 invitations nationales et présentations internationales, 494 Practical Course Symposium, 150 peer-reviewed chapters and other d'autres publications, 113 abstracts et posters, 84 visiting for professorships and guest lectureships. Il a formé 25 fellows en chirurgie cérébrovasculaire, chirurgie de la base, et c'était l'équipe avec laquelle il travaille actuellement est composée, d'après ce que j'ai compris, de 3 neurochirurgiens, 5 neurotologistes, 9 neurochirurgiens crânio-cervicales, 4 neuro-ophtalmologistes, 4 neuro-endocrinologistes, encore radiothérapeutes, endocrino 4, 5 onco-radiothérapeutes et 6 neuro-radiologues. Ma question, la suite. Il y a un retard, c'est parce que je suis à l'île de la Réunion. Excuse me for the delay. Oh là là. Dommage, c'est que ça. Mais ce n'est pas grave, c'est une diapositive pour dire, professeur Jean-Marco, Jacques Marcos, comment vous faites? Vous voulez que je commence? Oui, s'il vous plaît. Donc je vais enlever ma... J'ai enlevé ma présentation. Bon, je vais essayer la mienne. OK. Ça va, on voit la mienne? Oui. Ça va? Écoutez, Saïd, je voudrais vous remercier vraiment énormément. Vous êtes trop gentil et les détails de résumer ma carrière, merci beaucoup d'accentuer toutes ces choses-là. Mais vous savez, la dernière question que vous m'avez posée, et j'espère que les jeunes qui nous écoutent apprécie ce que je vais dire, c'est il faut avoir la passion. Avec la passion, ce n'est pas du travail, n'est-ce pas? C'est la passion qui donne l'énergie à tout ce qu'on fait. Si on n'a pas la passion, life isn't worth living. Il faut avoir la passion et on ne se fatiguera jamais. Bon, écoutez, thank you. I don't know how many people don't speak French. Hopefully everybody speaks French. Je vais essayer de parler en français. D'habitude, je ne donne pas des lectures techniques en français. Je parle le français socialement et je suis Libanais qui parle le français et l'arabe. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais discuter avec vous l'art, l'artisanat et la science du bypass. Quelles sont les techniques, les résultats et un peu les nouveaux concepts que j'ai un peu découverts en fait l'année passée. Mes disclosures, ça n'a rien à faire avec. Bon, je vais commencer par ça. Hein. Quotation d'un de mes philosophes préférés, Jean d'Ormesson, français évidemment. Et voilà ce qu'il a dit. La plus haute tâche de la tradition est de rendre au progrès la politesse qu'elle lui doit et de permettre au progrès de surgir de la tradition comme la tradition a surgi du progrès. Ce que je veux dire, et ce qu'il voulait dire évidemment, ça s'applique vraiment à ce que je vais parler aujourd'hui. Il faut pas, la tradition et le progrès ne sont pas contradictoires. Hein? On peut découvrir quelque chose, on peut progresser sans abandonner la tradition. You can see that stenting of carotid of aneurysms, des choses pareilles. Donc, les deux peuvent et doivent coexister. Bon, la plupart de ce que je vais
dont je vais parler aujourd'hui, c'est un manuscrit qui est toujours en pleine préparation. On va le publier, j'espère, dans JNS. Direct bypass surgery for Moyamoya is steno-occlusive disease, the outcomes and blood flow analysis. Et il faut remercier mon équipe, en fait, Nicolas Kahn, qui était mon fellow l'année passée, et tous les résidents et les stroke neurologists que vous voyez listed here. J'ai, pendant 20 ans, I did a retrospective study. C'était le cas où moi j'ai opéré. We are not discussing aneurysms or tumors. J'ai utilisé juste le direct bypass. Il y a trois genres d'anastomose. Ce que moi j'appelle 1D, 1R, meaning one donor, one recipient, ou bien 1D, two recipient, la même branche peut donner deux anastomoses, ou bien double barrel, ça veut dire two donors, two recipients. Ça, c'est simplement ce qu'on fait avec un direct bypass. Commençons par Moyamoya disease. Je vais vous donner un exemple. Une nurse de 32 ans, African-American, elle avait un épisode de faiblesse du bras droit. Elle avait un infarct du côté droit et hyperthyroidism. Voyez le Moyamoya typique sur angiogramme. Vous pouvez voir la sténose de la carotide, distal carotid bifurcation. Et en fait, ça, c'est des deux côtés et avec une attempt at collateralization de la posterior circulation. Ça, c'est le posterior circulation. Et ça, c'est le superficial temporal artery. Et on fait ici chez nous des études physiologiques toujours pour avant de faire un bypass. On fait le vasomotor reactivity, VMR, avec un transcranial Doppler. Ses nombres étaient très bas. Elle avait 27% à droite, 32% à gauche. So she had misery perfusion. Et on a fait chez elle un SPECT avec le Diamox, mais ces temps-ci, on fait le CT perfusion ou bien le MR perfusion. Et aussi, c'était très mauvais chez elle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bypass. Ça, c'est direct bypass. This is how you trace the incision. In her case, I isolated both branches of the superficial temporal artery. On fait une craniotomie simple de 4 cm à peu près, centralisé à 6 cm au-dessus du external ear canal, so that we can be on the distal Sylvian fissure. J'utilise le probe Charbel, mon grand ami aussi francophone, Fadi Charbel à Chicago. This is the Charbel flow probe made by the company Transonic. On mesure how much flow in cc per minute, 3,1 cc per minute. Puis on coupe le STA, superficial temporal artery, on mesure ça. Dans son cas, c'était 60 millilitres per minute. Puis je fais mon anastomose. J'aime faire mon anastomose d'habitude avec une running suture, comme vous voyez ici. Mais si le vaisseau et l'artère est trop petite, on fait interrupted, pas de problème. Running suture is a little faster. On fait une anastomose. Et à la fin, je mesure de nouveau le bypass flow. Vous voyez, c'est 64 cc par minute. Ça veut dire son cerveau était très, très assoiffé. It needed every cc per minute it could get from the STA. Voilà à la fin. Et ça, c'est post-opératoire. Vous voyez le CT angiogramme qui montre flow. Et puis, voilà la patiente. Et puis, je l'ai ramenée 6 semaines plus tard et je fais le bypass de l'autre côté. Et ça, c'est l'angiogramme après avoir fait le deuxième bypass.
Et les deux bypass, vous voyez, sont excellents patent. Maintenant, un exemple de steno-occlusive disease. Par exemple, cet homme de 76 ans, vous voyez le watershed infarct dans l'hémisphère droite. Cet homme avait des TIA, transient ischemic attacks, tous les jours, plusieurs fois, de l'hémisphère droite. Sa carotide cervicale était fermée, occluded carotid, et il n'avait pas de bon collateral. C'est pour ça qu'il avait des symptômes et un infarctus. Et évidemment, on fait le SPECT with Diamox et without, et vous voyez, du côté droit, il a ce qu'on appelle paradoxical effect, misery perfusion. Ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième stade de l'ischémie. Évidemment, si vous croyez le COSS publication, COSS, publié en 2013, le COSS dit qu'il ne faut pas faire une opération sur des gens pareils, ce qui est évidemment très faux, parce qu'il faut, you should select your patient, et chaque patient est différent. Et ces gens-là, je continue à faire des bypass pour ces gens-là, comme je vous le montrerai avec les résultats. Bref, son vasomotor reactivity est très basse, 19%, comparé à 55% du côté gauche, et je fais un bypass. Et cet homme-là, ce patient a vécu 10 ans plus jusqu'à l'âge de 86 ans. Il est mort à 86 ans d'un infarctus cardiaque. Il n'a jamais eu un stroke ou bien un other TIA après cette opération. Ça, c'est lui avant de quitter l'hôpital. Bon, ça, c'est deux exemples typiques pour vous montrer quel genre de patient je vais vous décrire maintenant. J'ai l'étude, c'est une étude rétrospective de mes cas. We looked at everything, severity of disease. On a regardé à tous les détails. C'est très important de comprendre quelle est la collatéralisation dans chaque cas. There are three sources of collateral formation: transdural, leptomeningeal, or retrograde flow through the posterior communicating artery, or crossover from the anterior communicating artery. On a catégorisé chaque cas où étaient les collatéraux, et we overlapped all the angiograms to see if there was an area of uncompensated hypoperfusion. Est-ce qu'il y avait une zone où la collatéralisation n'était pas bonne. Par exemple, dans ce cas que je vous montre, toute cette surface, ce volume, n'était pas bien perfusé. Hein? Alors, we call this area of uncompensated hypoperfusion. Et un autre cas pareil. Et on a regardé à, bien sûr, patency of the bypass. On a regardé à analyser le Matsushima grading avant l'opération, et ça, c'est un bypass, par exemple, qui est très mature, après 10 ans. It's a very good patent bypass that stayed open a long time. This is another one, patent bypass 11 years later. Vous pouvez voir au bas, le bypass is patent, 11 ans plus tard. Ça, c'est un cas où le bypass s'est fermé. Deux jours après l'opération, j'ai été obligé de le prendre urgemment aux opérations de nouveau, revise the bypass. J'ai choisi un autre recipient artery et ça a marché. Assez souvent, on a ce qu'on appelle delayed occlusion of the bypass. Le bypass peut se fermer lentement au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. Pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons physiologiques, parce qu'il y a des collaterals qui se forment avec les transdural collaterals. Ça, c'est un cas typique. Vous pouvez voir que le bypass s'est fermé lentement et que le indirect collateralization
a bien pris, s'est bien formé et explique pourquoi le direct anastomosis s'est fermé. On a étudié, évidemment, dans tous les cas, le TCD-VMR, quand je vous ai montré, avec les temps de COVID, ce n'était pas facile de faire le TCD-VMR à cause de l'équipement. On a fait ce qu'on appelle le Breath Holding Index, BHI. Ça peut vous donner aussi une idée. Quelle est la réserve cérébrovasculaire chez le patient? Évidemment, on a suivi les patients. Je vais éviter quelques slides qui ont beaucoup de texte. Bref, j'ai 162 procedures dans 124 patients. Le angiographic follow-up, c'était un an et 9 mois, le average. Le clinical follow-up, c'était presque 3 ans, le mean clinical follow-up. Et vous pouvez voir, mes premières 7 années, j'ai fait juste 14 opérations. Les deuxièmes 7 années, c'est 41 opérations. Et les dernières 7 années, 107. So my referral base has gone up, even though the COS study was published and said that bypass has no role in atherosclerotic disease. Les quelques détails, j'ai divisé mes 124 patients en 3, Moyamoya disease, Moyamoya syndrome et ce qu'on appelle SOD, steno-occlusive disease. J'avais 46 patients avec steno-occlusive disease. Les détails peut-être qui ne sont pas très importants, mais pour vous montrer qu'on a étudié chaque cas en grand détail. Je vais éviter ça. Bon, même si vous faites... la première leçon à tirer de mes résultats, c'est que même si vous faites un bypass excellent et que le bypass est toujours open and patent plus tard, les physiological testing ne devient pas normalement, ne devient pas normal. Par exemple, le VMR, c'était avant l'opération 29%, et après l'opération, c'est 39%, c'est toujours pas normal. Et ne vous attendez pas à ce que ces tests physiologiques deviennent tout à fait normaux parce qu'ils ne le seront pas. On ne change pas tout à fait l'environnement du cerveau en faisant un bypass. Ça améliore les choses, mais ça ne normalise pas. De même, le SPECT scan, c'est le même résultat. Je vais éviter quelques détails. Ah non, revenons à ça. Vous voyez le cut flow, regardez vers le bas de la table ici. Cut flow, ça veut dire le flow dans le STA, superficial temporal artery, quand on le coupe avant de faire le bypass. 52 cc per minute, that's a good amount of flow. You can see it can be as high as 140 cc per minute. After I did the anastomosis, the total final bypass flow était de 44 cc per minute, out of the 52. Et le cut flow index, which is a concept that, again, my good friend Fadi Sherbel has discussed, is 0.86. That's a very good percentage, 86% of the flow that is available was taken by the bypass. Quelles sont les complications? Ils ne sont certainement pas aussi hauts que ce que le COS study a publié. Il y a 0,6% de ischemic stroke après l'opération, 3,1% de intracranial d'hémorragie cérébrale. Le reste, vous pouvez lire pour vous-même. Myocardial infarction, 1,3%. Quand on ajoute tout, ça fait 10%. Mais si on pense juste seulement à ischemic stroke and intracranial hemorrhage, ça c'est 3,7%. Je vous rappelle que le COS avait une post-operative complication de 15%. 15%, c'est pour ça que le trial du COS it failed and surgery was judged to be not better than best medical treatment for atherosclerotic disease. Ça, c'est les 6 cas qui ont eu des complications. Je ne vais pas les détailler pour vous, mais vous pouvez les voir.
hemorrhage, stroke, hemorrhage. Those are the six complications, and we went over the detail of each to try to understand. Un autre résultat très important, vous vous rappelez, je vous ai dit, s'il y a uncompensated collateralization, on a regardé si ça avait un effet vis-à-vis le bypass occlusion, et en effet, ça a. If there is complete collateralization preoperatively, 36% of the bypasses will occlude long-term, not acutely, long-term. If there is incomplete collateralization, s'il y a une collatérisation incomplète avant l'opération, only 4% of the bypasses will occlude later. Vous voyez la différence? Une grande différence. 4% versus 36%. Vous pouvez voir ça d'une façon graphique. Très, très, une grande, grande différence statistically significant. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas conclure que si on a si on a complete collateralization, you should not do a bypass. Évidemment, le bypass, ça veut seulement dire que ces gens-là, ces patients, ont une capacité de faire, de former une collatéralisation indirecte après l'opération. Et il ne faut pas du tout conclure que l'opération n'était pas nécessaire. Je vous rappelle, ces patients-là avaient des symptômes et leur test physiologique indiquait une insuffisance cérébrovasculaire. Ça, c'est les Modified Rankin Score at Final Outcome. Vous voyez qu'on a aidé beaucoup de patients. Le pre-op versus post-op. Le post-op, la plupart ont meilleur fonctionnement mesuré par Modified Rankin Score. Ça, c'est une comparaison des trois techniques. 1D1R, 1D2R, 2D2R. Il n'y avait pas une différence statistique, mais vous pouvez voir un trend. Le trend, c'est que le plus d'anastomose on fait, le plus il y a une patency rate et un peu le higher flow. Mais pas, no statistical significance different between the three groups. Delayed bypass occlusion. Pourquoi? On a trouvé juste deux facteurs. L'un que je ne comprends pas, Hispanic race had a higher occluded bypasses at long term, not acutely. Je n'ai pas une explication pour ça. Je vis à Miami, évidemment, beaucoup de mes patients sont Hispanics. Et la deuxième, c'est le complete versus incomplete collateralization que j'ai déjà expliqué. Ça, c'est les deux facteurs qui expliquent long-term patent, occlusion. Je veux attirer votre attention. Voyez le cut flow index. Vous voyez, it did not correlate with bypass occlusion long-term. Et ça, c'est une très grande différence avec l'étude publiée par Fadi Charbel de Chicago. Et je vais revenir à ce point-là, qui a montré qu'en fait, si le cut flow index était bas, le bypass occlusion rate, c'était très haut. I will come back to this point later. Je vais vous montrer quelques vidéos. 1D, 1R example. ça, c'est un double bypass. Je vais vous montrer le... Voilà le angiogramme. On fait l'incision. I use a Colorado needle to do it quicker. This is a special bovi. Sometimes I use a bipolar to dissect the STA. And here I am using ICG, indocyanogreen, to demonstrate the STA before I use it. Vous voyez, c'était 50 cc par minute après avoir coupé le STA. On ouvre le temporalis muscle.
On peut le couper d'une façon T-shape ou bien C-shape. La craniotomie est assez simple, c'est juste circular craniotomy. And here I am dissecting both recipient artery, one on the frontal, one on the temporal. And you saw me put a plastic tube. This is a suction device. And I put the STA and I want to do a double anastomosis using one branch. So this is the frontal branch, frontal M4. And in this case, I'm showing you, I measure the flow. Il faut mesurer le flux avant de faire le bypass. Et j'ai noté si c'était antigrade ou rétrograde. Vous voyez les nombres ici. Et I mark the anastomosis and I'm going to use a 10-0 suture. In this case, I did end-to-side anastomosis first, and then side-to-side anastomosis. But most of the time, if you know you need to do two anastomoses, it's better to do the other way, side-to-side first, so that the flow in that bypass can continue while you are doing the second end-to-side anastomosis. This video is showing the reverse. Voilà, j'aime faire le 12 o'clock suture first. Et ça dépend si je suis en train d'enseigner un fellow ou un résident. Je fais souvent interrupted pour qu'on peut avoir un peu plus de pratique. Et in case there is a problem, I can always revise the suture more easily if it's interrupted. On fait un, on finit ça, et puis on enlève le temporary clip, on mesure le flux dans cette anastomose. Voilà, 43 cc par minute, ICG. Et maintenant, je me prépare pour faire la deuxième anastomosis, side-to-side anastomosis. Il faut mettre le temporary clip de nouveau. C'est pour ça que je préfère d'habitude faire l'inverse. Il faut faire celle-ci d'abord, le side-to-side. Il faut faire très attention si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Hein. Si on fait une erreur ici, eh bien, les deux anastomoses vont se fermer. C'est pour ça il ne faut pas faire cette technique si on n'a pas l'expérience. Mieux vaut faire une seule anastomose ou bien faire deux branches de la superficial temporal artery à deux branches. Maintenant, on peut faire running technique, vous voyez, du back wall, et bien, et ensuite on fait le front wall. On finit un côté, on fait le deuxième côté, on enlève les clips, et voilà, on peut mesurer maintenant le bypass flow à la fin. Évidemment, vous allez voir, ça va être plus haut que la première measurement. Ça va être, je crois, 60. Oui, 60. 60. Vous vous rappelez, c'était 43 après la première. Maintenant, on est à 60 total. 60 divisé entre 38 plus 22. 38 pour le temporal, 22 pour le frontal. 38 plus 22, c'est 60. Ça, c'est ICG à la fin. Et voilà, ça, c'est un résumé de tous les nombres que je viens de discuter, et on enlève une partie du craniotomy flap, et ça c'est l'angiogramme après l'opération. Vous voyez un très bon bypass. Vous voyez aussi la branche antérieure du STA n'a pas été utilisée. Ça, on la garde pour perfuser la peau, ou bien au cas où vous devriez faire un bypass à l'avenir du même côté, on a toujours the anterior branch of the superficial temporal artery. Un autre exemple peut-être du double barrel bypass, ça c'est 2D2R, je vais vous montrer un peu, ça c'est un peu plus vite pour vous montrer parce que c'est la même technique, hein, mais ici on fait une dissection de la branche antérieure. Je ne fais plus beaucoup de ces cas-là, mais je vous montre un exemple. Je faisais ces cas-là avant d'avoir utilisé le 1D2R technique. Parce qu'il faut faire plus de dissections
sous la peau de la branche antérieure. Et évidemment, c'est la même chose. On fait le muscle ici, bien, et on fait le end-to-side anastomosis, mais on en fait deux, end-to-side et end-to-side. C'est la même chose. On vous avait vu tout ça déjà. Une anastomose et puis la deuxième branche de la STA, on fera une autre anastomose. On répète la même chose. Voilà la deuxième branche. Et ça, c'est l'autre anastomose. Et quand on finit, on a un double barrel bypass. Et on mesure le flux. Même chose. C'est toujours la même chose pour chaque cas. Et voilà à la fin. Maintenant, évidemment, c'est parfois, il faut faire des anastomoses de la vertébro-basilar circulation. Il faut se rappeler, évidemment, qu'il y a toujours des ischémies de la vertébro-basilaire. Il faut savoir comment utiliser le occipital artery. So, je vous montre un peu comment faire un occipital pica bypass. Vous voyez, le vertébro-basilaire est très petit ici et ce patient avait des TIA de la circulation postérieure. Voilà comment je fais le occipital artery. J'utilise le Doppler pour to localize the occipital artery in its subcutaneous portion. Et puis, il faut couper le muscle pour suivre le occipital artery jusqu'au digastric ridge. Et quand on fait ça, voilà, we have a nice occipital artery. Then I do a far lateral craniotomy. We open the dura, far lateral craniotomy. Et voilà, et this is a cerebellar tonsil. And then you find the vertebral artery. Then you find the pica. And here is the pica between the lower cranial nerves. And I will put a retractor on the cerebellum because I need to identify the telovelar tonsillar segment of the pica. You don't want to anastomose the pica on the brainstem medullary segment because this is how you can injure the perforators and have a brainstem infarct. So je vais utiliser cette partie du pica pour faire mon anastomose. Vous voyez la perforante là-bas, là, just here. And évidemment, il ne faut pas faire temporary clipping de ce segment. I am using a ribbon to count, to decide what length of the occipital artery. And here I am bringing the occipital artery down to the pica to perform an end-to-side anastomosis. Et c'est la même chose, hein? Toute la technique, c'est la même. Je mets le 12 o'clock position, and then I suture down to the 6 o'clock position. Et voilà, plusieurs interrupted sutures in this case. Et à la fin, on enlève les clips. Et on va voir que le bypass is patent, occipital to pica bypass. Je mesure le flux. Et à la fin, voilà. Ça, c'est l'angiogramme. Vous voyez, le bypass est très bon. Vous voyez l'anastomose, end to side, no problem. I will skip this. Donc, la discussion, c'est que le direct bypass is very effective in select Moyamoya disease, Moyamoya syndrome et steno-occlusive disease. The clinical presentation was typical North American series. 60% of the patient presented with stroke. Incomplete collateralization predicted the long-term bypass patency. Nos résultats sont beaucoup mieux que se peut publier par COS. Ça démontre aussi qu'il est possible de faire le direct bypass as opposed to indirect bypass. Direct bypass patency is very high, immediately 100%, et le cut flow index is high,
0.86%. The median bypass flow is 52 cc per minute. Et ça, c'est plus haut que d'autres publications. Je veux attirer votre attention à la différence entre mes résultats et les résultats de Fadi Sherbel de UIC en Chicago. À gauche, en 2019, vous voyez la série de Fadi Sherbel, 146 cas comparé à 161 des miens. Le cut flow, bypass flow sont assez similaires. La différence, c'est que j'ai un plus grand pourcentage de 1D2R et 2D2R à droite, vous voyez. Mais la très grande différence, c'est que Fadi utilise concomitant indirect bypass with direct bypass dans ces cas, dans 35% de ces cas. Moi, je ne le fais pas, je n'ajoute pas le muscle ou la dure mère. Et je crois que c'est pour ça que ces résultats montrent 76% patency of bypass at last follow-up comparé à 91% de mes cas à moi. Vous voyez, c'est le seul facteur, je crois, qui explique la différence. Et puis, le cut flow index, dans le cas de Sherbel Series, 54% de son bypass sont occluded quand le cut flow index est moins de 0,5. Dans mes cas à moi, le cut flow index n'a aucune relation avec le bypass occlusion, probablement because of the lack of use of indirect bypass, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est mon explication. It's all, of course, speculation, but I could not come up with a different explanation why our two series are so different. So, évidemment, je vous ai démontré que quand vous avez de l'expérience et que vous faisiez assez de bypass, vos résultats sont très bons, devraient être très bons. Stroke rate after bypass surgery is 3.7% at 30 days, and at long-term follow-up is 6.2%. The death rate, I only had one death, 0.6%. So bypass occlusion in my series, 10% had delayed asymptomatic bypass occlusion, and I discussed with you why that is the case. I will finish up very quickly because this, what I'm going to show you next, has been published a few months ago. And if you are interested in it, si vous êtes intéressé, pull the publication. I will show it to you and read the details. I noticed the time, and I don't want to lengthen it too much. All the details are in that paper. So I'm discussing, it's the largest series to date. C'est la plus grande série de 1D2R publié, c'est 21 cas, j'ai maintenant plus de 30 cas déjà, mais 1D2R, et ça m'a aidé à penser à la physiologie du bypass quand j'ai fait ça. Je m'excuse, je vais rater plusieurs slides parce que c'est assez compliqué et détaillé, et tous ces détails-là sont dans la publication. Et je ne vais pas discuter les notions de maths et de physique et de le Bernoulli equation et la Hagen-Poiseuil law et la Ohm's law vous vous rappelez quand vous étiez à l'école, hein, Ohm's law in electricity, c'est exactement la même chose que Poiseuil's law in flow dynamics. Et je vous promets, je discute tout ça dans la publication. I will skip over these more complicated slides that have to do with hemodynamics and wall shear stress. But this is a very important topic that we learned from the cardiac surgeon, how to do bypass, how to optimize bypass geometry. What is the ideal ratio between donor and recipient artery? So again, I am going to skip all these and try to bring you up. Oh, sorry. So if you want to read the two publications, here they are. One is a video of 1D2R
And one is actually the series, the 21 cases. So I encourage you to read them. And it will. These are my co-authors. And so I already discussed 1D2R. This is what it looks like à la fin. At the end of your bypass, you will have two anastomoses, a side-to-side and an end-to-side, and you will have two recipient territories getting flow from one donor. And I showed you the video. This is another video, but I will skip it. It's exactly the similar to the first video I showed you. You understand the technique. And it's exactly like an electric circuit in parallel. En français, hein, c'est un circuit électrique en parallèle quand on fait 1D2R. C'est pas en série, c'est en parallèle. Bon, ça c'est les trois étapes de l'opération. You identify the two recipient arteries, the TM4 and FM4. You do usually the side-to-side anastomosis first, which is usually to the TM4. Then you do it to the FM4. You measure the flow at every step. And this is, you know, the title of my talk, The Novel Concepts. This is where the novel concepts will come. I'll explain them to you in a minute. But what are the results? I'm going to skip some numbers. The result is this. The results is 100% bypass patency immediately and 90% delayed follow-up. But what is interesting, ce qui est très intéressant, c'est le cut flow index. Quand je mesure le cut flow index après la première anastomose, c'est 0,64. Quand je fais la deuxième anastomose, c'est 0,94. So it increases the flow significantly by using this technique. Et je fais d'autres calculations. Bref, 5 ans, on augmente par 50% le flux. And ça, c'est, je vous montre ça d'une façon graphique. This is the cut flow on the left. Then you do the first anastomosis and the flow is 36. Then you do the second anastomosis, the flow goes back up to 51. Et ça, c'est pour comparer quand on fait side to side ou bien end to side, it doesn't make any difference in what order you do it. You end up with the same final result. The patients are improved, clinical outcomes by modified Rankin score. Please read the supplementary material that is published with the paper. It is an analysis of the equivalence with electric circuits. And you can see an electric circuit showing you exactly that it is like what the 1D2R bypass is. And here is it's exactly the resistance is the same concept. The flow is the same as current, electric current, and the pressure is the same as voltage. And you can read again how I calculated all the portions of the, and so here are the of the circuit. Here are the two novel concepts we introduced in that paper, SERA and SASI. SERA is when you divide cut flow index final by cut flow index initial, and SASI is when you divide the second anastomosis final flow by the total flow. These two concepts we introduce in that paper, and this is a typical case that worked very well. I only had one patient that occluded on both sides. Here is that patient, the right side. You can see the bypass was open at the beginning and it occluded at 1 year. He also occluded his left side. I did both sides. The same patient occluded on both sides to show you that it's not a technical problem. It is a problem with, not a problem, but it's the patient themselves that have the biology of producing indirect flow. This is again a comparison between 1D2R, 2D2R, and 1D2R. And a summary why it makes sense by shortening the bypass flow. You increase the flow, you decrease the resistance, and you obtain a good SERA
and a good SASE number. And so here is my conclusion. 1D2R is excellent. If you have some experience, it shortens the surgery, it gives more flow, and it is at least equivalent, and if not better, than a 1D1R. And my conclusion is, il faut apprendre comment faire le bypass, parce que ce n'est pas une technique qui est morte. Il y a, and I haven't even discussed with you the l'utilisation du bypass avec les anévrismes, avec les tumeurs. It is very effective. You need to go to the lab to become proficient at bypass surgery. I encourage you to measure flow so you understand the physiology of what you are doing on every patient. It would be a huge mistake to follow blindly the COS study and to abandon bypass, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont besoin de nous, de nos skills in bypass surgery, comme je vous l'ai montré. J'espère que je vous ai convaincu que le bypass, ça peut, it's beneficial to many patients. Et voilà, je m'arrête ici et merci beaucoup de m'avoir invité. Je ne sais pas comment vous remercier. Je suis très gêné parce que je sais que quand on a des slides en une langue différente, parfois on est un peu bloqué. Mais vous avez réussi, donc c'est extraordinaire ce que vous avez présenté. Travail qui demande donc des années, donc de travail au laboratoire, de réflexion, etc. Je vous remercie vivement pour cette très belle présentation et informative. J'espère que ça donnera envie aux jeunes donc de reprendre le flambeau et de faire cette chirurgie, cette microchirurgie vasculaire. Est-ce qu'on a des questions? De mon côté, je voulais juste... Docteur Morcos, est-ce qu'on vous avez des choses à la suite? Oui, si ça, on m'appelle, en fait, je dois commencer une opération. Je me oui, suis... Oui, donc c'est une heure, c'est pour ça, je m'excuse, Saïd. Non, donc c'est le plaisir est pour nous, c'est vraiment très, très gentil de votre part. Je serai prêt à répondre à n'importe qui veut m'envoyer un email, des questions. Je suis prêt à répondre. Avec plaisir. Je dois malheureusement quitter pour l'opération. Oui, oui, donc c'est prioritaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc j'espère qu'on se verra bientôt. Merci beaucoup pour votre introduction exceptionnelle. Jacques, your French is very good. Thank you. Bye, everybody. Au revoir, bye. Thank you. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Thank you. Chers okay. amis. Okay. I guess we can continue the discussion if you want, Saïd. Oui. Donc vous avez vous-même vu les indications. Parce qu'il y a des questions sur les indications de pourquoi on fait ces chirurgies. Parce que souvent, c'est des patients qui sont en ischémie chronique avec des accidents vasculaires ou bien carrément des hémorragies, comme ce qui peut survenir chez les enfants. Donc, je ne suis pas un professeur Morcos, mais c'est le principe, c'est-à-dire essayer de sauver, donner un nouveau réseau pour pouvoir remédier à cette ischémie chronique et éviter les risques d'accidents vasculaires et donc surtout chez les enfants, le risque de saignement est plus important, surtout au niveau de la circulation postérieure. Adrien? Docteur oui. Adrien? Oui, je pense que Michel a une question. Michel Kasubi? Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, bien sûr.
Oui, c'est docteur Michel Kisubi. Je suis apprenant en neurochirurgie et je suis chirurgien général au clinique universitaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Enchanté. Merci, je suis flatté par cette présentation. Malheureusement, le prof est appelé à nous quitter pour rejoindre la salle d'opération. Oui, donc il était gentil d'accepter une présentation à une heure. On sait que midi chez eux, c'est l'heure où il y a le plus d'interventions. C'est vraiment gentil de sa part. Vraiment. Si j'ai bien suivi, je pense que cette technique de bypass pourra nous aider à pouvoir aider le patient qui présente même des AVC ischémiques. Oui, donc il n'a pas traité les hémorragies. Les anastamoses carotides cérébrales, il les fait très très bien. Donc les indications sont posées, continue la sténose carotidienne. Il l'utilise souvent sur la carotide interne parce qu'elle est plus directe. En général, la carotide externe est beaucoup plus éloignée. Donc il les fait sur la carotide interne. Avec une tunnelisation, il ne fait pas de transtemporal. Parfois, il y a ceux qui passent à travers le plancher du lobe de la fosse moyenne, fosse cérébrale moyenne, pour mettre le greffon. Lui, il le met directement sur le receveur, le vaisseau receveur, qui peut-être soit une branche temporale ou une branche frontale, temporale antérieure, ça marche très bien, ou vers le territoire ischémien, autour du territoire ischémien. Bon, excusez-moi, professeur, s'il était là, peut-être vous pouvez m'aider aussi. Je me disais que le cerveau ne tolère pas une déficience en oxygène qui pourrait prendre... Oui, aigu, mais chronique, il la supporte longtemps. Il s'adapte. C'est là où il y a des réseaux de collatéraux qui se créent avec le temps. Des suppléances, oui. Des suppléances, mais qui deviennent insuffisantes avec le temps. Merci beaucoup. On est flatté par cette présentation et on a aimé. Tout le plaisir est pour nous. Merci. Rien, en prie. Bon, peut-être des remarques sur la présentation, des choses comme ça. N'hésitez pas à envoyer, je vais mettre l'adresse du professeur Morcos. Alors, je vais aller sur... Tu veux peut-être faire une annonce concernant le prochain webinaire? Oui, s'il te plaît. Tu veux présenter le prochain webinaire? Tu peux le présenter, tu es au courant. Alors, attends, faut que je retrouve ma... attends, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais vas-y, je te laisse terminer. Et puis... D'accord. Donc, c'était juste pour prendre l'adresse de professeur Morcos. Hello, Tatiana, are you there? Perhaps not. Of course, you don't have to talk if you don't want to. That's fine. You're always welcome to watch. Excuse me, Marcos. Zainab, any comments, questions? Yannick, any comments, questions? Perhaps it's a quiet audience today, Saeed. Wait a minute, I'm up. Quand on est en direct. Greetings. Go ahead, Zaim. Okay. I thought someone had a question.
This question. Any questions in the chat? Do you see? Merde. Est-ce que je l'ai mis? Oh. Excuse me. Donc je fais une fausse manœuvre. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? Greetings to everyone, sir. Greetings, Zainab. Could you please introduce yourself? Yes, sir. This is Zainab Jallo from Africa, West Africa, The Gambia. It's really a nice presentation. Welcome, Zainab. Thank you, nice sir. Nice to meet you. Thank you, sir. Are the bypass, I have a question. I'm not a neurosurgeon, Saeed, but is the bypass a common operation in neurosurgery? I'm sorry, I don't speak French either. Are you there? Hey, Dr. Saeed, votre micro. Saeed, are you there? Hey, ton micro est éteint. Deux oui. Secondes. Je mets. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous suit très bien. Oui, donc j'ai mis juste l'adresse du professeur Morcos que j'envoie à tout le monde pour envoyer si vous avez des questions, si vous merci avez beaucoup besoin de lui. Je disais pour la prochaine présentation. Comme on est parti sur une présentation progressive pour tout ce qui est chirurgie de la base du crâne, surtout endonasale, on a eu on va avoir le professeur Herman de Paris qui va parler des sinus. On a choisi ce sujet parce que les neurochirurgiens ont tendance à partir directement vers le sinus sphénoïdal et parfois on fait des dégâts. C'est-à-dire le but, c'est d'arriver au sinus sphénoïdal. Après, donc, la chirurgie a évolué. Donc, il y a la chirurgie des planomes, donc ménagement du planome tumeur, donc, qui sont au niveau de l'étage antérieur. Donc, il faut connaître actuellement. Je pense que si on fait la neurochirurgie endoscopique, il faut vraiment maîtriser ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a au niveau de cette région. Et on a un grand professeur, ce professeur Herman, on va partir donc du plus simple au plus compliqué pour nous permettre de faire du bon travail, de savoir quand on a un cornet ou le couper. Donc nous, on le coupe avec la pince, alors qu'il y a des techniques pour le couper, donc de préférence couper le tiers inférieur, etc., etc. Donc on va apprendre beaucoup de choses avec lui pour bien maîtriser notre geste, que notre chirurgie soit la plus propre possible. Voilà, Hassan. Ok, merci beaucoup. Docteur Benatizdeur, il est là. Ok, juste lui dire merci aussi parce qu'il ne cesse de nous alerter à tout moment par ses mails. Oui, bien sûr. C'est vraiment intéressant de saluer ce soir. Merci beaucoup pour lui. Oui, il fait un grand travail, Docteur Benatizdeur. Ouais. Effectivement. Ça va, Hassan? Comment tu as trouvé la présentation? Excellente. Oui, très bien. Ouais. Excellente. Et comme d'habitude, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, donc ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. C'est une chirurgie qui est malheureusement pas très bien développée en France. Moi, je n'ai jamais vu ça pendant mon internat, ni pendant mon assistanat. Bien sûr. Donc, c'est... C'est vrai qu'il y a eu une époque où on faisait donc, les bypass, mais comme il n'y avait pas assez de techniques qui permettait de mesurer les flux, des choses comme ça. Là, il y avait défaillances, des bypass qui se bouchaient, etc., etc. Ouais, on a laissé tomber cette chirurgie, comme certaines chirurgies d'ailleurs. On n'a pas évolué avec le temps. Eux, aux États-Unis, au contraire, ils sont
il persévère, donc il continue donc la recherche, etc. etc. Guillaume Lemestre. Donc il n'est pas là. Bon, donc vous avez des questions. Rang Nguyen. How are you? Bonjour. Pour Michel, des questions. Mais, docteur? Oui, j'aimerais juste savoir, parce que nous autres, nous sommes en Afrique centrale ici, on voudrait savoir s'il y a moyen chaque fois de nous envoyer des communications qui passent, après nous les envoyer, que nous on peut télécharger si c'est possible. C'est disponible sur YouTube, hein? Neurosurgical TV. Ah, j'ai vu, vous avez écrit là sur YouTube. Oui, c'est en direct sur YouTube. Okay. Ça se passe en direct sur YouTube. Et c'est disponible sur YouTube, Neurosurgical TV. Donc, c'est disponible. Il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez les voir à tout moment. Oui. Merci beaucoup. De rien, en prie. Avec plaisir. OK. Yeah, Michel, Dr. Kabulo is in Congo. Tu conoces Dr. Kabulo? Do you know Dr. Yes, Kabulo? Where is Dr. Kabulo? Yes, we know it. Where is it? Michel, I think, probably knows him, right, Michel? Yes. Dr. Kabulo? Do you know Dr. Kabulo? He's in the Democratic Republic of the Congo, which I probably is different from the Congo, correct? Doctor, may I speak English slowly? Oh, okay. Dr. Kabulo, he Dr. is Kabulo, a neuro- yes. Yes, he's a neurosurgeon from the Congo. He is one of the neurosurgery of Congo, yes. He's there. Yeah, very nice man. Thank you. Yannick has a question, I think, Saeed, or comment. Hello, everyone. Welcome. Good evening to you all. Thank you to everyone. Thank you for the great thank presentation. You very much. It was really great. Thank you to everyone. You're welcome. So, you know, in our country, these such surgical techniques are just in existence. You don't perform, you perform vascular surgery, but mostly aneurysm clipping. Mostly aneurysm clipping. And yes. We don't perform such techniques. So I just wanted to know, please, if I have the case of Moyamoya disease, what should I do? Where should I send the patient, either in Africa or in Europe? Because in North America, it will be difficult. Well, what should I do? Because we had two cases 4 years ago. I was not in residency yet, but my boss told me that. We had two cases with infant and child, and we treat them conservatively. We just treat them conservatively. So I want to know what should I do if I have a new case? Where should I send him? Is there any center in Africa, in North Africa, yes, or South Africa, or in Europe? Yes. You have a child, yes? One child? 4 years ago. 4 years ago. Actually, I'm in my last year of residency, but 4 years ago, I was not yet. Yes. No, for your patient. Yes. You had two patients? Yes, two patients that were treated conservatively. Yes. That was one, treated conservatively. One children and one adult or two adults? No, two children. Two children 4 years ago. Yes, two children, actually, maybe now. They grew up now. Yes, for children, the age for patient, 2 years? No, not 2 years, maybe 12 and 13. 12, okay. 12 and adolescent. 13. Yes, yes, because in your country, I think the best way to do angiosynostosis, yes. you yes
It's the safe technique, but there is a risk of epilepsy with the mu en gestion des stages. But this is the you can do the bypass. It's not possible. There is and the symptoms. What's symptom they have? For your patient, they are symptomatic. Yes, they were symptomatic. We had seizures. Mostly, the presenting complaint was seizures. Mostly seizures and no deficit. CIA. I see. CIA, sure. CIA. Yes. I think I don't know the audience think about, but for you, you chose the area of ischemia. Yes. And you made a craniotomy, and opened the dura. And you take the temporal muscle and you put it under the dura. Onto the dura. Onto the dura. Under the dura. On the Okay. On the cortex. Okay, I got it. Okay, on the cortex. Okay, I got it. Yes. Okay. I think it will be. Professor Herdin. Okay. Thank you so much. Oui, bonjour. Thank you so much. Bonjour. Merci de me donner l'occasion. C'était une très belle conférence. Et oui. Marcos est très connu, donc il a une expérience extraordinaire. Oui, tout à fait. Et les choses paraissent tellement simples entre ses mains. Ah ouais. Je veux faire un commentaire. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de forme aiguë. Et ça m'a rappelé le rapport de la Société de recherche de langue française dans les années 80. Oui. Il avait fait un travail sur les ischémies, justement, aiguës, dans les strokes et la possibilité de faire des bypass dans les strokes. Et je me souviens que de la conclusion qui était très belle à mon sens, et qui disait, on ne peut pas utiliser une artère vile à visée cutanée en une artère noble du cerveau. Oui. C'est très beau ça. Ça veut dire que ça ne marchait pas. Oui. On ne pouvait pas faire d'une artère temporale une artère corticale. Et donc, c'était de rapports concernant les ischémies aiguës et les strokes. Par contre, dans le moyen, malheureusement, ça ne court pas les rues, ou heureusement, ça ne court pas les rues. Dans les formes chroniques, comme tu l'as bien dit, les résultats sont probants, ils sont là, on les voit. Mais il y a très bons résultats aussi avec les anastomoses carotidotes cérébrales qui fonctionnent. Là, il a une présentation de Morcos qui est excellente avec ses résultats. Après, il faut choisir le bon candidat. Oui, mais ça a changé. Ça a changé la donne. Ces techniques de mesure de 80, qui n'avaient pas toutes les techniques actuelles, la réserve, tout ça. Donc, on connaissait pas trop la réalité donc de ce cerveau. Est-ce qu'il a vraiment besoin donc d'être suppléé? Qu'est-ce qu'il a besoin de d'apport sanguin en plus, ou ce qui arrive est largement suffisant? Donc là, c'est actuellement, on a tous les examens je pense que le mois de mars, dans un mois, on aura Charbel, le professeur Charbel qui va vraiment détailler ses indications parce qu'il a une technique
qu'il appelle NOVA, non-invasive. Et qui mesure, qui mesure le flux. Le flux avec l'IRM et la reconstruction, et on a chaque vaisseau, le débit par minute de chaque vaisseau, la réalité, et ça permet de savoir quel le choix du donneur, qu'est-ce qu'il faut choisir, etc. C'est très, très riche, c'est très spécialisé, donc c'est, mais je pense, comme je disais tout à l'heure, même si on ne fait pas de côtoyer ces grandes personnalités nous apprend à être meilleur au quotidien, surtout pour les jeunes, qu'il faut que ça soit un modèle. Bon, ben, donc si, merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et docteur, vendredi prochain. Nous avons le docteur Jamila, Jamila Van Der Boek. Ah oui, elle est là? Yes. Ah, Jamila, comment tu vas? Oui, bonsoir, Saïd. Très bien, bonsoir. Merci. Comment tu vas? Ça fait plaisir de t'avoir. Moi aussi. C'était super, la présentation. Ah ouais, elle est excellente, oui. Ouais. Alors, moi, j'interviens, je voulais répondre à Yannick, parce qu'il parlait du Moya Moya. Oui. Chez les enfants. Alors, bien sûr, c'est ton domaine. Oui, en fin de compte, parce qu'ils se retrouvent dans un pays avec très peu de moyens. Je me rappelle, moi, j'ai assisté à pas mal de cas et qui sont enfin une technique très simple avec d'assez bons résultats, avec un long follow-up de plusieurs années. Et c'est la technique qu'utilisait professeur Sainte-Rose à Necker, oui, et que moi-même j'ai utilisé. Bon, c'est pas un gros, pas beaucoup de patients, j'en ai eu 3, et bon, jeune âge, mais qui ont donné d'assez bons résultats. C'est la technique des trous de trépan. Donc, entre 9 et 13 trous de trépan, on émet crani. Et bien sûr, il faut, quand on ouvre la peau, il faut bien préserver le fascia lata, qui est la peau névrose. Donc, il faut faire une incision en zigzag, bien la découper. Pas au cutter, mais il faut la découper avec le bistouri pour préserver la vascularisation. Et donc, quand on fait les trous de trépan, bien sûr, si c'est un adulte de 12 ans, c'est un grand. Il faut donc, quand vous faites les trous de trépan, il faut prendre la dure mère avec. Il faut faire saigner la dure mère. Et donc, les faire saigner, donc c'est une chirurgie très sanglante. Il faut avertir votre anesthésiste, bon, qui vous suive déjà dès le début. Donc, il faut faire très vite les trous de trépan. Vous saignez la dure mère. Ensuite, le périostium qui est coupé en zigzag. Donc, c'est pas au milieu. Donc, vous aurez 2 tranches de périostium en zigzag. Vous les plongez dans les trous de trépan. Donc, ils sont déjà attachés, plongés dans les trous de trépan. Et vous refermez la peau très rapidement. Et vous allez faire 48 heures après une ange d'eau. Et vous allez retrouver une revascularisation débutante de la perméabilisation des artères. Et ça, c'est un papier qui a été publié par Monsieur Sainte-Rose. Et professeur Sainte-Rose, vous allez le trouver. En tout cas, ça donne de bons résultats quand vous vous retrouvez. Et c'est d'actualité toujours à Necker, à l'hôpital Necker à Paris. Ils l'utilisent. Et nous, on l'a introduit en Égypte parce qu'on n'aime pas trop les techniques trop détaillées chez l'enfant.
Est-ce qu'on va... Ok, ok. Et les parents n'aiment pas l'autre. Merci beaucoup. Voilà. Merci, mais je voulais un petit, juste un détail, s'il vous plaît. Merci pour l'astuce. Merci pour l'astuce. Je voulais juste m'assurer que j'ai bien compris. Ça veut dire que j'incise la peau en zigzag. J'incise la peau du scalp en zigzag. Ensuite, je fais une trépanation jusqu'à la dure mère. Exactement. Vous prenez le craniotome jusqu'à ce que la dure mère soit ouverte. Bien sûr, vous n'allez pas jusqu'au niveau du cerveau. Juste au niveau de la dure mère. Vous prenez, on appelle la technique de la dure mère. Vous ouvrez la dure mère. Vous allez, quand vous ouvrez, vous voyez quand vous avez le petit os fin, avec le craniotome, vous prenez la dure mère avec. Parce que sinon, vous êtes obligé de coaguler. Il ne faut jamais coaguler parce que sinon, ça ne sert à rien. La revascularisation ne sera jamais faite. Et donc, vous passerez le périostéum, la pointe du périostéum dans la dure mère, il y aura une revascularisation. Et ça a été démontré par professeur Saint-Ros. Normalement, en faisant une recherche sur PubMed, vous allez retrouver, je ne me rappelle plus les titres, mais vous allez retrouver les publications de M. Saint-Rose. Vous avez publié là, je peux avoir les liens des articles, s'il vous plaît. Je ne me rappelle pas, mais mettez professeur Saint-Rose, Christian Saint-Rose, Moya Moya chez l'enfant. Ok, merci. Ou mettez-le en anglais. Moya Moya disease in pediatric population. Necker Hospital Paris. Ok, thank you. Merci beaucoup. Merci Jamila d'être ici parce que je les appelle avec les trop de trépans. C'est le plus facile en fait. Oui, mais il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Ça s'appelle Buchholz Techniques. Yes. Buchholz Techniques in Moya disease. Ok, thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. You're welcome. John. Yes, bon, ben, quand tu vas, thank you very, very much for this webinar. Okay, very good. Jamila. Oui. Oui, tu as des nouvelles. Si tu as des nouvelles, tu me contactes. D'accord. Pour le... Ok. En tout cas, merci beaucoup, Saïd. Merci beaucoup, merci. C'est gentil, merci. Allez, au revoir tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Merci. Adrien, on s'en rappelle. Dr. Adrien. John Benning. Dr. Jamila. Dr. Janik. Margarita. Merci à tout le monde. Bonsoir. Marga. Okay, we stop recording.